Begin after 8 taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut les cadavres, bienvenue dans cette vidéo où on va tenter de disséquer la mise à jour 14 de l'Otro. Alors premier constat, ils ont rajouté des tentes un peu partout. Je pense que c'est le camp d'Eowyn qui se trouvait avant tout en haut de Donaro. J'en sais pas plus. Alors visiblement, ils ont dégainé la vieille astuce des PNJ qui ont pas de nom. Comme ça gâche pas le paysage, c'est très bien, j'aime beaucoup les PNJ juste décoratifs. Comme ça t'évite d'avoir à cliquer dessus comme un taré. Il faut que je parle à Eowyn à Donaro. Je suppose que le camp est absolument ininteractif. Alors est-ce qu'ils ont pensé à mettre une carte? Ouais, ils ont pensé à mettre une carte. Sauf que moi je suis là en bas. Je suis en fait. Voilà. Je m'aventure dans le bandeau en papier de la carte. Suspense. Est-ce qu'ils ont laissé Eowyn tout en haut du chemin à la con? On dirait. Alors je me souviens plus du tout par où on passe. C'est bon, voilà. Je vais retrouver le chemin qui serpente. Très rigolo d'ailleurs à essayer de faire d'une traite avec la monture de guerre. Ça apprend à négocier les virages en fait. Voilà. Magnifique, quelle aisance. Ici, hop, il prend à la corde avec dérapage. Superbe. Hop. Bonjour amis joueurs. Yep. Voilà, c'est bon. On s'est pas viandé dans la falaise. Comment rallonger artificiellement la taille d'une carte? C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée dans certains jeux vidéo par le passé. Plus ça serpente et plus tu coupes la vie, plus t'as l'impression que c'est absolument immense. Alors qu'en fait, quand tu le vois à vol d'oiseau, c'est tout petit et tu tournes en rond. Et on débouche là où il y avait le camp d'Eowyn avant. Et maintenant, il y a toujours le camp d'Eowyn. Vous remarquerez, enfin vous le remarquez pas, mais moi je le vois, la minimap n'indique absolument pas de flèche vers Eowyn. Donc il vaut mieux que vous rappeliez où elle se trouve. En plus, elle a deux endroits, c'est-à-dire qu'à un moment des quêtes, elle est devant la tente de commandement. Et à un autre moment, elle est devant Donaro. Donc là, apparemment, je t'ai trouvé ma cocotte. C'est formidable. Alors, que nous dit Eowyn? Faut aller voir 3 PNJ. PNJ numéro 1. Tiens, c'est marrant, il y a une petite... c'est deux icônes l'une sur l'autre. Une qui s'efface pas, apparemment. Voilà, alors oui, je sais, je ne lis plus les textes de quête depuis très longtemps. Ils sont longs, j'ai autre chose à foutre, et ça n'aide absolument pas à faire les quêtes. Et en plus, c'est pas toujours hyper immersif quand tu vois ce que racontent les gens. Je te parle... Je ferai pas spécialement de commentaires sur, par exemple, le fait que les tentes sont toutes les mêmes. Ah non, oh là 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 là, j'ai rien dit, il y a deux tentes différentes. Oula, en progrès. Ils arrivent vachement bien à faire passer la pilule. Je suis un éternel insatisfait. Oh, petit enfant, qu'est-ce qui lui arrive? Nya nya nya, nya nya nya, et s'y fait, oh, un enfant perdu. Et alors voilà ce qui arrive quand on n'est pas préparé. J'ai pas de symbole... Ah si, j'en ai. Oh putain, j'ai rien dit. Voilà, je suis trop balèze. J'avais prévu, je couperai au montage, les symboles anti-peur, puisque ce sont des morts, évidemment. Que c'est mimi tout ça. Regardez ça. Alors, c'est un peu 2D tout plat, mais voilà, ça le fait. Tout est 2D tout plat. Et nous affrontons de vilains parjures. Il faudrait que je check s'ils ont la bonne idée de looter des trucs. Pour l'instant, aucun loot particulier. Faut dire que c'est une instance de démarrage, donc peut-être qu'il se passe rien de particulier. Oh, regardez-moi ça si c'est pas mignon. Hop, on va passer en vue première personne. Chut. Est-ce que l'aigle pourrait se barrer? Ah, c'est quand même sympa, hein. Mais vous savez quoi? Ça fait une paye que j'étais pas tombé sur un décor d'extension récent qui me semble intéressant. Mais je pense que c'est dû aussi à l'atmosphère, luminosité, ce genre de truc. Ça doit jouer un peu. Mais sympa. Siji, l'un des compagnons... Siji. Ah oui, effectivement. Moi, je suis un peu miro. Je vous le cache pas. Mon dieu, Kenny est mort. Le cadavre de Tom, je sais pas quoi.
qui est cliquable, mais il ne se passe rien quand on clique dessus. Puisque c'est affreux, massacrons donc des gentils morts-vivants. Alors j'essaye de pas parasiter la vidéo avec les infobulles. D'ailleurs, je vais peut-être aller le régler. Ah, des compagnons, heureusement qu'il y a cette petite aide visuelle, parce que j'aurais pu marcher dessus sans les voir. C'est ça, amène tes potes, t'as raison. Plus on est de fous, moins il y a de fantômes. Oui, maître du savoir, c'est quand même super, super violent. Encore plus maintenant, j'ai l'impression, mais je pense que je ferai une petite vidéo rattrapage sur les modifs qu'il y a eu. Ça envoie du pâté. Ça peut sembler bête, mais je suis en chemin, connement. Très connement, c'est le bon, parce que je suis à peu près persuadé qu'en fait il n'y a qu'un chemin. Mais si, je sais pas pourquoi, c'est pas dérangeant. C'est, j'ai pas l'impression qu'on me prend par la main, alors qu'en fait si, complètement. Ah, et un croisement. Et un croisement. Et là-bas, il y a un soldat agonisant. Oh, dis donc, il y a un croisement. Je peux hésiter entre deux voies, mais c'est... Vous vous rendez pas compte, quoi, c'est l'inconnu dans l'autre. Voyons voir ça. Ah, tes blessures sont graves et nous n'avons pas expérimenté le tunnel. Ah, et le temps qu'ils disent ça, il est mort. Mais c'est affreux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé, puisqu'ils n'ont pas inspecté ce tunnel. Jusque-là, hein, des trashs, tout va bien. Pour l'instant, ils n'ont pas perdu grand-chose à ne pas inspecter ce tunnel. Tiens, je viens curieusement de réaliser que j'ai plus la marche des Indes dans mes barres de raccourcis. Voilà, ça va mieux. Bah oui, il y a eu un reset des compétences, donc encore une fois, vous allez devoir refaire votre arbre et les compétences vont plus ou moins disparaître. Je peux hésiter entre deux chemins. Flippant. Alors, il y en a quoi? On a là-bas, où on voit déjà, il y a un PNJ. C'est celui qu'on recherche, c'est le gamin. Alors, le gamin a réussi à arriver jusque-là, quand même. Et, voilà, je me disais aussi, non, mais faut pas déconner. Ma première déception. Ah là là, ils sont toujours pas guéris du gros mur invisible. Je suis content. Bon, mais du coup, je vais pas essayer de monter là, hein, puisque c'est encore pour me taper un truc invisible, ça m'intéresse pas. Attention, les morts sont partout, je m'en fous, il y a un coffre en bois. Morceau de Skarn des Eorlingas. J'ai un inventaire qui déborde de conneries. Je sais. Vite, sauvons l'enfant qui a des points de vie absolument invincibles et qui de toute façon n'est pas attaqué par les monstres. Et je vais peut-être me départir de l'aigle en fait qui est en train de manger sa mère parce qu'il fait pas de la zone. Allez, viens Coco. Tu vas aller voir ailleurs si t'y es. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc on va d'abord expliquer aux morts. Alors normalement, c'est du lotro, hein, donc il devrait y avoir un boss. Ah, lotro, t'as des vagues d'ad et un boss après, hein. Non? Ah bah non. Ah bah dis donc. Et c'était tout. Ok. D'accord. Quel est le mot exact? Déçu? Ouais, un peu déçu. Bon, on va peut-être y retourner, hein, mais... Bon, et voilà quand on reparle à Eowyn. Et alors là, il faut qu'on rejoigne le Gondor en traversant le chemin des morts, dis donc. On va s'élancer à la suite d'Aragorn, alors qu'on n'est absolument pas l'élu, ou l'héritier de quoi que ce soit, et que donc on ne peut pas réussir à traverser le chemin des morts, à moins d'être super balèze, et d'avoir des épées de malade mental, comme Enduril, etc., etc. Assez logiquement, je devrais mourir. Donc il me tarde de voir par quelle pirouette je ne vais pas mourir. Dim Holt n'a pas changé pour l'instant. C'est sombre et flippant. Et il n'y a pas si longtemps, on crevait comme une merde quand on arrivait là. Sauf que là, il y a quelqu'un qui poirote devant l'entrée, non? Mon cœur s'emplit de terreur. Vite, mon chat. Vais-je mourir? Hop, non, je ne meurs plus, je traverse la porte, c'est fantastique, c'est magique. Et je suis dans l'ouest du Gondor, c'est marqué. Et ça doit être des joueurs, ou pas. Je n'en sais rien. Je dirais que non, vu le skin pourri. Si, c'est des joueurs. C'est des joueurs avec des skins pourris. Allez, hop, on s'élance donc. Alors ça, c'est la magie lotro. C'est-à-dire que, du coup, il doit y avoir 20 000 personnes dans le chemin en question. chemin des morts, c'est un peu... C'est un mix entre Copacabana et... Et Cannes, tu vois, c'est l'endroit où il faut être. Un grand espace ouvert au-dessus de moi. Non, c'est une grotte. Est-ce que quelqu'un va surgir pour m'arrêter un moment? Allez, sortons des sentiers battus. Ne prenons pas la route. Alors voilà, je le sens bien. Mur infranchissable. Et tout le monde m'a suivi, c'est formidable. L'effet mouton est absolument fabuleux, dans tous les jeux d'ailleurs. On va aller voir faire demi-tour au bout d'un petit moment. Hein, la balade c'est sympa, mais... Non mais c'est sympa en fait le chemin des morts, hein, c'est calme, c'est tranquille. Donc ça c'est le chemin qu'on n'avait pas emprunté la fois d'avant, mais il devait y avoir un gros mur invisible aussi.
Voilà, voilà. Ou alors, explication roleplay, Aragorn, il est déjà passé par là, il a déjà fait le ménage. Ah ça, j'y avais pas pensé. Ça doit être ça l'idée. Sauf que ça, ça doit être la porte d'entrée. Ah, ok. La porte d'entrée, ça? Je sais pas. Je vais essayer de me payer la honte. Téléportation, j'y sais pas où. Ah, c'est tout. Ben voilà, voilà, voilà. Mais c'était pas si terrible, là, finalement, le chemin des morts, moi je dis. Salut lui dire, t'as dû en voir passer du monde depuis l'arrivée de la mage. Suivre la rivière, eh ben suivons la rivière. C'est... ça me rappelle un petit peu l'entrée du Rohan en fait. Ça doit être les mêmes textures, les mêmes arbres. Je sens qu'on va reprendre le cheval parce qu'il va rien y avoir à faire pendant une heure. Il y a des renards, un petit renard sur le côté. C'est un renard du Gondor. C'est pas un furet du Gondor, c'est un renard du Gondor. Des framboises aussi. Des renards et des framboises. C'est sympa le Gondor. Et des patates. Et des chèvres de montagne de racines noires. Ah, le coup de la patate, j'aime bien. Et des fraises. Et des élafes. Des élafes. Croisement entre des élans et des girafes. Ou des éléphants et des agrafes. Je sais pas. Un puma. Puma level 96 qui a donc autant de points de vie que tout ce qui est 96. C'est-à-dire 13 320 points de vie. Ouais, on se croirait dans le Rohan. Regardons les habitations. Est-ce qu'on se croirait dans le Rohan? Je ne sais pas. On m'indique bien ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise les quêtes, franchement? Alors, comment sont vêtus les gens? Un peu moins bouseux qu'au Rohan, c'est bon. Regardez-moi ça. Ah, il a mis son petit châle. Ah, le mec me parle en anglais. C'est bon. Ok, d'accord. Mais j'ai cru comprendre hein, que comme d'hab, quoi, tout n'est super pas trop traduit. On va changer les points de repère. Tiens, hop. Celui-là, oui, j'ai plusieurs points de repère, je sais. Comme bien pratique, ces conneries. Non, les maisons sont globalement sympas. Hein. Sont globalement sympas. Bon, les fenêtres sont à chier. Vraiment à chier. Volet ouvert ou pas volé. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, l'espèce de damier, là, tout pourri. La ville est construite en serpentin. C'est plus rigolo, ça rallonge les temps de voyage. Une astuce classique. Alors, de quoi ont l'air les donzelles? Hop, attention, gros plan sur la donzelle. Ouais, ok, mais ça c'est ma carte graphique qui aime pas les ombres. Hommes du Gondor, non, sympa, sympa, sympa. Bon, apparemment, ils ont tous la même tête. Hein. Ça c'est sûr. On continue à tourner, on tourne, on tourne. C'est une très bonne idée, ça marche bien de couper les lignes de vue. Hein. T'as l'impression que le bousin il est immense, alors qu'en fait il y a rien quoi. Regarde ça, dans 2 mètres carrés, j'ai réussi à tenir 5 minutes. Donc vous l'avez compris, on parle à des gens, et évidemment, il y a une porte qui a un nom, donc à mon avis, il doit falloir rentrer dedans. Intérieur du Gondor. Ah bon, déjà, je vois à peu près où je vais devoir cliquer. Hein. Intérieur du Gondor, cheminée sympathique, un peu style celle qu'il y a chez Saruman, en fait. Un peu les mêmes coloris, certainement aussi les mêmes textures qui ont été utilisées. Tapisserie, les mêmes fenêtres qu'à l'extérieur. Curieuse, on va dire. Un peu rudimentaire au niveau des armoires. Enfin, elles font un peu Ikea, en fait. Petit côté Ikea dans le Gondor. Donc, je vais vite faire ça, comme ça, ça sera fait. Un petit étage. Oui, ça, c'est même très inspiré hors-tank, en fait. Des petits paniers, des petites cartes, un petit coffre pas cliquable. Et le mec, il dort avec du pain et du vin. Et la statue de Rohirrim réutilisée. Bah, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire une statue du Gondor? Alors la femme devant moi vient de me dire que le puits était profond et l'eau glacée, donc est-ce que je peux arriver à sauter dans le puits? Non, non, c'est un gros mur invisible aussi. Voilà, donc j'ai récupéré les notes du seigneur, on ne sait plus trop comment et on s'en cogne, et donc maintenant il va falloir que je redescende toute la spirale pour lui rendre, et donc... Mon bon joueur de MMO, je vais essayer de sauter. Mais on peut pas sauter les petits murets en pierre. Ben non, il faut pas qu'on soit trop rapide en fait. Il faut qu'on fasse le tour. Putain, on peut pas sauter les murets sans deck. Voilà. J'espère qu'ils ont pas fait ça partout, parce que putain, ça va être vite gonflant. Je déteste quand une extension rajoute artificiellement du temps de jeu. Qui est un long temps de jeu, parce qu'il y a du contenu, voilà, je pense que c'est ce que tout le monde attend, mais qui est un long temps de jeu... Parce qu'artificiellement, on fait passer la souris dans un labyrinthe. Vous savez que je suis grognon, hein. Tiens, il y a une maison, on peut rentrer dedans ici. Il faut que je récupère maintenant les notes du seigneur d'Unduir.
C'est marrant, j'ai l'impression que c'était celle que j'avais été chercher. Et je fais un test, hein. Je fais les quêtes sans rien lire. Oh, et voilà, c'est magique. Voilà, merci. Fallait surtout pas que je cherche trop. Ah, ici, ils ont quand même fait du rayon de soleil qui passe à travers le truc. Comme quoi, c'est pas compliqué hein, de rendre une texture moche un peu plus intéressante. Il faut que j'en fasse quoi? Apporter les notes à Dame Rosfin. Donc je fiche mon billet qu'elle est quelque part dans l'escargot de ce village pourri. Et oui, je la vois sur la minimap. Et il va falloir remonter le serpentin. Ah, donnez-moi de l'XP. M'en fous du reste. Hop, attention, il y a une chef qui est sortie de l'enclos. En plus, il y a quand même de grandes chances qu'elle soit tout en haut, et qu'elle me dise qu'elle a oublié son soulier tout en bas. Eh ben voilà. Et c'est la connasse qui regarde en l'air. Allez hop. Et il faut parler à qui? Il faut parler à qui? Eh oui, il faut parler au mec qui est tout en bas. On redescend. Cette extension m'a l'air formidablement bien lancée. Ah mais franchement, je vous promets, je vais la décortiquer de bout en bout. On va tout faire ensemble. Ça va être un peu long. Je vais faire plusieurs petites vidéos. Je vais essayer de pas dépasser 10-15 minutes pour pas que ça soit gavant. Chez Chouper. Chez Chouper. Allez, connasse. Elle a... Ou connard d'ailleurs. Et il faut parler... Non, ah c'est... Ah bah c'est... Ah c'est téléporté. Tu aurais pas pu te téléporter avant, non? Ah putain. Et alors les récompenses, comme vous pouvez le voir, elles ont des skins nouveaux, plus ou moins sympas d'ailleurs. Gondorien en tout cas, alors les gants intermédiaires, ok, les mitaines quoi. Et donc nous repartons vers le sud pour vérifier que les villages voisins n'ont pas des soucis. Et je vous fiche mon billet qu'ils auront certainement des problèmes. Imaginez le truc, non ça va, tout va bien, c'est votre chemin. Beaucoup de cerfs, beaucoup de chèvres, beaucoup de renards, beaucoup de patates et beaucoup de fraises. Pour l'instant, ça a quand même une tête de promenade de santé. Petit camp numéro 2, Mimi. Enfin des caisses avec des contenus différents, tout ça, bravo, bravo. Franchement, ça fait du bien au moral. C'est un feu de camp de chasseur ou de cuistot ça? De cuistot. Il n'y a plus beaucoup de feux de camp de chasseur d'ailleurs, j'ai cru remarquer. Des primes, le croc de Tarlan et le cerf blanc. Alors je n'arrive pas à cliquer sur le tableau, je sais pas pourquoi. Parce que c'est sans effet. Pour la petite histoire, j'ai désactivé un petit peu quelques options graphiques, les zones ont l'air assez chargées, puis il y a des joueurs aussi dedans, histoire que ça rame un petit peu moins. Ils parlent entre eux. En fait les PNJ marchent plus beaucoup dans l'autre, ils sont un peu immobiles. Allons quoi? Placer des appâts sur des pièges et trouver des carcasses décharnées qui prouveraient qu'il y a bien des créatures terribles qui se baladent dans le coin. Des pumas de racines noires sont en train de bronzer sur un rocher. J'adore. I love it. Les pumas de racines noires. 17 302 points de vie. Et un ours de la vallée enragée. Absolument gigantesque. 95 élites. Je viens gentiment de l'aggro. Vais-je résister? Il a fait 4000 points de dégâts pour l'instant. Il a 33600 points de vie. Il lui en reste 7000. Et non, je ne suis plus fort que les ours élites. Finalement, c'est quasiment plus rapide de les faire à pied que de les faire en monture. Intéressant. On va tourner dans le coin. Alors, petit puma. Utilisons quelque chose qu'on n'utilise que très rarement. Voilà, connaissance. Le puma. C'est ballot ça, on veut pas agrandir la fenêtre et les infos elles disparaissent en dessous, c'est dommage. Il résiste à tout de manière remarquable. Ah c'est con, il est plus sensible aux dégâts physiques. C'est-à-dire que mon pet doit lui faire relativement plus mal que moi. Enfin relativement. Hein. À la lecture de tout ça, je suppose que les animaux dans le coin sont devenus frénétiques pour une raison mystérieuse que nous finirons peut-être par découvrir. Je vais donc juste me casser la gueule. Oui. Non, en fait, je voulais aller dans l'eau. Oui, vous avez vu, j'ai désactivé les reflets dans l'eau, histoire de gagner un petit peu en fluidité. Je veux pas vous imposer une vidéo complètement saccadée pour le simple plaisir. Refléter mon caleçon molletonné dans l'eau. Il y a aussi des myrtilles. C'est bien ça, il y a des fruits et légumes universels dans le monde. C'est beau. Bon, ils sont où, ces pumas, ces pièges? Il n'est pas exclu que le fait qu'il y ait plein de joueurs qui ferment les mêmes zones fasse que ça soit un petit peu long à achever les quêtes du début. Parce que alors, des chèvres, ça, il n'y a pas de souci. Ah, des pumas. Alors, avec quoi on te fait, toi? Allez, on va essayer des trucs nouveaux. Oups, je n'ai pas réinvoqué mon pet. Ah, ils ont changé l'effet de zone de feu. Sympa, le... Ah, très joli. Très très joli et très grand aussi par rapport à l'autre. La musique du jeu, que vous n'entendez pas puisque j'enregistre pas le son du jeu, est assez sympa. Violent, assez sympathique. Toi, t'as une tête de... Enfin, t'as une tête de cul de puma. On va te cueillir au lever. Il te reste 1000 points de vie.
Alors, je sais pas si ça s'intensifie plus tard, mais alors c'est clair que les animaux qu'on affronte à l'entrée de la zone, s'ils étaient pas là, il n'y aurait pas une grande différence. Les matériaux de craft que je suis en train de looter sont les mêmes qu'avant. Peau des Erlingas, bois de noyer, enfin il n'y a rien de... Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de nouveau. Il me manque encore une créature enragée. Ah oui, chasse au lion, alors que c'est des pumas, mais on n'est plus à ça près. Je pense que tout ça m'a amené un petit peu loin de la zone où on devrait normalement tourner. Bon, il n'y avait plus de mobs, hein. Fallait bien que j'aille les chercher quelque part. Donc on revient au triple galop pour ramasser des flèches, trouver des carcasses sanguinolentes et placer des appâts sur les pièges. Attention à l'ours. C'est bien qu'il fasse traîner quelques petites élites de temps en temps. Ça nous pousse à être un petit peu plus attentionnés, on va dire. Par contre, il lâche l'aggro toujours aussi vite. Regardez moi ça. Des joueurs dans tous les sens. Je suppose que tout est instancié puisqu'ils viennent de cliquer sur le piège sur lequel j'avais cliqué. Et c'est tant mieux, sinon ça serait purement injouable. Alors est-ce que la vieille technique du supre marche ? La technique du supre, c'est que la touche supprimée sert à prendre en target l'objet le plus proche. Donc les pièges. Vous voyez là par exemple, je me balade, j'appuie sur supre et rien n'apparaît en target. Ah ça y est, j'ai un piège en target. Quand même assez pratique la touche supprimée, hein, si vous la connaissiez pas et que... Vous faites ce genre de quête, ah, y a un ours, voilà, voilà, voilà. Bon, ça target aussi les murs, hein. Les murs avec un E. Ça target aussi les boîtes de réception, hein. Vous en doutez. Maintenant, on va aller parler au gars qui nous a demandé de faire son travail à sa place.